Là, je voudrais que tous ensemble, on lève la main avec le chiffre 5. 5 sur 5. Nous avons été reçus 5 sur 5. Vous savez, et ça je le dis devant Michel, vice-président de la commission de défense, dans les transmissions de l'armée, on dit, on entend 3 sur 5. Quand on est reçu 5 sur 5, c'est que tout va bien. Et donc, nos idées de la droite et du centre, dans l'un, elles sont reçues 5 sur 5. C'est vrai que ça fait plaisir parce que, et je me rappelle encore le meeting de Perona, il y a 3 jours, où nous étions 5 candidats. Ce soir, nous sommes 5 élus. Nous étions 5 candidats différents. Mais avec ce sentiment d'unité, d'union, avec cet élan, c'est bien sûr celui qui nous anime, chacun d'entre nous. Et je me rappellerai toujours l'accueil de Michel pendant 5 ans, de même que je me rappellerai toujours le soutien que Michel m'a apporté tout au long de ces 5 ans et encore pendant cette campagne. Et ça, c'est plus important que tout. C'est plus important que les petites phrases, c'est plus important que les rapports de force. La force humaine, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous anime. Et aujourd'hui, c'est ce qui va aussi nous animer pour préparer l'avenir. Michel l'a dit, dans l'Ain, il y a un conseil général de gauche. Dans l'Ain, il y a des villes à gauche. Dans l'Ain, il y a une ville préfecture à gauche. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la reconquête. Pourquoi ? Non pas par esprit de revanche, simplement parce que les valeurs que nous défendons, je ne vais pas vous faire la campagne sur l'éducation, sur le travail et la sécurité. Vous avez assez entendu. Mais ces valeurs qui nous animent, ce sont les valeurs de notre territoire. Ce sont les valeurs dans lesquelles les Bressans, les Revermontois, et également les Dombistes, et également les Bugistes, et également les Gessiens, et également les habitants du Val-de-Saône se retrouvent. Et nous allons continuer à nous battre sur ces valeurs. Et aujourd'hui, ce soir, l'heure de la reconquête a sonné dans le département de l'Ain et dans notre agglomération. Nous avons été fair-play quand nous avons perdu la présidentielle. Ce soir, quand j'entends des petites phrases de ceux qui ont perdu en disant « ça sera à cause du redécoupage », je vais vous donner les chiffres exacts. La première circonscription ancienne et nouvelle, si on applique les résultats des cantons de Perona, de Bourg-Sud et de Pont-de-Vaux, ça fait une différence de 268 voix. J'ai été élu avec 1500 voix. Disons les choses clairement, parce que quand j'entends ça, ça veut dire quand on n'est même pas prêt d'accepter une défaite. Nous l'avons fait au niveau de la présidentielle. Ça veut dire que le sectarisme, cette absence de respect de la démocratie que nous avons vécu pendant 5 ans à l'Assemblée, avec une opposition qui a été caricaturale, systématique, ce n'est pas notre conception de la démocratie. Et nous allons continuer à nous battre sur ces valeurs. C'est les valeurs qui nous portent. Et c'est ces valeurs qui sont majoritaires parce qu'elles correspondent à la mentalité, à l'état d'esprit, à la culture de nos territoires. Nous sommes fiers de nos convictions, mais en même temps, nous ne voulons pas entrer dans des idéologies qui n'ont plus tant aujourd'hui. Donc comptez sur nous pour continuer à travailler pour l'intérêt de nos territoires, surtout le département de l'Ain. Et comptez sur nous pour exercer notre rôle de minorité, d'opposition, de vigilance au niveau de l'Assemblée nationale. Vous nous avez fait confiance aujourd'hui, et bien nous continuerons pendant les 5 ans à venir à mériter votre confiance. Je voudrais enfin finir, parce que j'ai parlé de l'esprit d'équipe, à remercier tous celles et tous ceux, Michel l'a dit, qui se sont mobilisés pendant la campagne. Et Michel m'a dit qu'il va recommencer. Mais je voudrais vraiment vous remercier, parce que les militants, ils sont chez nous. C'est nos militants qui font qu'il y a des tracts dans les boîtes aux lettres, dans les commerces, sur les marchés. C'est aussi le rôle formidable des suppléants et des suppléantes. Avec Jean-Yves, avec Christian, mais je pourrais parler également des autres suppléants, nous travaillons en équipe. Il y a un mot qu'il faut bannir en politique, c'est la susceptibilité. La seule chose qui compte, c'est de travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, on y arrive. Nous y sommes arrivés et on va continuer. Merci. Oh, no.
aux enfants.